m'appelle Charlie, je représente la région Bourgogne-Franche-Comté. Actuellement, je suis en CM2 à l'école primaire de Chaudenay. Dans la vie, j'aime bien la lecture et je pratique l'escalade. Pour la finale nationale, j'ai décidé de vous présenter le livre 12 jours sans parents, écrit par Sophie Rigagoulard des éditions Rajot. 12 jours sans parents aux éditions Rajot, c'est le 7e tome d'une série qu'on a appelée Les Défis. Alors pourquoi Les Défis? Parce que dans chacun de ces romans, j'ai mis en scène des enfants ou des adolescents qui sont amenés sur une courte période à essayer de vivre sans un élément qu'ils jugent essentiel dans leur vie. C'est Charlie qui va vous en lire un extrait. Charlie, si j'ai un conseil à te donner, c'est de croire en tes super pouvoirs de lectrice pour devenir, pendant le temps de ta lecture, Madeleine, l'héroïne de mon livre. Je me souviens que moi, ce qui était problématique au début, quand je prenais la parole en classe pour des exposés ou des choses où j'étais tout à coup seul avec un exercice à voix parlée, c'était ma concentration. Je pouvais très vite être perturbé, dérangé par une réaction, par un changement de lumière quand je commençais au théâtre par exemple. Donc si j'ai un conseil à donner, je dirais qu'il faut faire confiance au petit sac à dos invisible qu'on porte, dans lequel on peut se rappeler tout ce qu'on s'est dit pendant qu'on répétait cette lecture. Et puis surtout, j'essayais de m'ancrer dans le sol, de me sentir vraiment connecté au sol, bien ancré dans mes baskets et de me sentir fort pour que tout ce qui pouvait venir me déconcentrer ne devienne pas des éléments perturbateurs. Voilà. Lire à voix haute, c'est donner de sa personne. Voilà. Se tenir droit, ouvrir la cage thoracique, bien respirer, ne pas se précipiter, c'est souvent mon défaut, prendre des temps quand il faut, mais pas trop. Par exemple, celui-là est trop long. Donner le ton, mais pas surjouer. Ne pas imposer une lecture trop personnelle. Laisser le soin à chaque auditeur de créer son propre décor mental. Prendre du plaisir en se faisant passeur, à la fois au service de l'écrivain et de celui qui écoute. Le plaisir de lire, c'est aussi la raison pour laquelle nous soutenons ce championnat de lecture à voix haute. Chaque année, cela concerne de plus en plus d'élèves. Cela offre une bonne occasion de progresser encore en lecture, d'oser prendre la parole en public, ce point est essentiel, de partager ses goûts, de partager ses découvertes avec les autres et de lire toujours plus. Alors, je vous souhaite une bonne chance à tous et je vous dis à bientôt. 13 membres du jury ont écouté les candidats et les candidats. Ils les ont réécoutés. C'était un moment passionnant. Et puis, nous avons délibéré. Nous avons même débattu. Cela a donné des impressions contrastées, parfois unanimes, parfois divergentes. Ben, tenez, écoutez. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'aisance, il y avait beaucoup de volonté de transmettre, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de qualité. Je peux apprécier de participer d'écouter toutes ces vidéos. Je trouve qu'elles montrent d'abord toute la diversité de la création de la littérature jeunesse actuelle. C'est de voir le plaisir que prenaient ces enfants à lire et à partager leur lecture avec nous et leur audace aussi à oser comme ça s'exprimer. C'est vrai que c'est un très bel exercice. Qui à chaque fois qui nous surprend hein, par rapport à leur âge, c'est bien. Donc, on espère qu'ensuite ce sera des très grands lecteurs. C'est difficile de comparer, mais moi j'ai été vraiment subjugué par leur capacité de lecture et la façon dont ils ont eu de nous entraîner, nous donner quasiment tous envie d'aller acheter et lire les livres. Et c'est vrai qu'ils étaient à la fois plus à l'aise et en même temps plus concentrés sur leur texte. Alors, ça va au-delà de la lecture, mais c'est très touchant, moi. Ça me touche beaucoup, cet engagement-là de l'enfance. Délibération du jury, j'ai le plaisir de vous annoncer que la troisième place va à Lino. Bravo à Lino. Pour la deuxième place, Adrien. La première place à Aurore.